Monsieur ? Oui ? Les invités que vous attendiez sont là. D'accord. Bon, excusez-moi les gars, je vais les chercher. Ok, donc à tout de suite. Waouh, il est super beau ce mec. De qui tu parles ? Oh ! Mais regarde, regarde là-bas. Mambo, Mambo ! Mambo, 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 pitié de moi, Dieu ! Mambo, Mambo ! Oh, mon putain ! Mambo, Mambo, Mambo ! Alors, je vais porter un toast. Nous allons lever nos verres à de futures collaborations et j'espère qu'ils seront très étroites. L'escargot, c'est ça? Ça va? Non, ouais, ça. Bon, je pense que. On va continuer notre fois, mais là franchement faut que je rentre. Ah ok, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais moi je suis encore là, hein? Un dernier pour la route? Non, ça va. Ça va. D'accord, ok. Bon, donc... Pardon. Ok. Alors, rentrez bien. Et puis... Alors, à demain. Oui, à demain. Ok. Rentrez bien. Sans faute. Ça doit être...
Ce petit curieux de Dadia n'a eu que ce qu'il méritait. Il se rendrait plus tôt du bureau qu'il n'aurait pas eu de problème. Ah ouais. Magui a été. Demain, je vais lui faire un gros cadeau. Tcha 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 tcha. Il s'agit de quoi? Ah, la vie est belle, la vie est trop belle. C'est plus que de la joie. Tu peux pas imaginer la joie chez moi qui m'anime, quoi. Ouais. Je veux comprendre quelque chose. Pourquoi parmi tant de frimeurs, c'est moi? C'est moi, Lou Blanc, qu'elle a choisi pour lui faire un enfant. Waouh! Lou Blanc, c'est un mystère. Mais ça, c'est une chance à ne pas rater. Je dois la saisir à fond. Judy, Gabi, oui. Tu veux vraiment savoir? Attends, explique-moi. Tu veux vraiment savoir? Oui. Ah, t'es curieuse, mais je te dis. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon. Bon, mon voisin, parce qu'elle a fait ça avec moi.
je vais avec lui. Mais ok, non, je blague, je blague. Tu sais quoi? Non. Et la fois dernière, j'ai fait la connaissance d'une femme. D'une femme formidable. Ah bon? Elle est aussi belle que mystérieuse. Je te parle. Mmh. Non seulement elle a assez du sou, elle a assez du fric. Et moi, ça fait mon affaire. Et ça fait notre affaire tous les deux. Tu comprends? Attends, tu racontes quoi là? J'ai gagné au jackpot. Ah bon? Tu sais, Lou Blanc, c'est vraiment un gigolo 50 000 volts giga système. Tu comprends? Donc là, je me dis que c'est une occasion à ne pas rater. Ils ne jouent pas avec ce genre de choses là. Ils font profiter. Comme d'habitude. Attends, quand je pense un peu là, je devais être de l'argent. Ouais, tu me dois. C'est combien, c'est combien? Attends, tu ne sais pas ce que tu me devais? 10 000, 20 000, 30 000, 100 000. Tu m'énerves pas, hein? Ah, mais c'est plus. Hein? Donne mon argent. L'argent, ça rend dingue, bébé. Ça rend fou. Donne mon argent. Combien? Je sais pas, il y a tellement de billets dans cette poche là, je sais pas. Mais je pense que avec ça, je vais pouvoir m'échapper de ce quotidien. De là-dessus, hein? Je vais augmenter un peu le pourcentage, c'est bon? Ok, vas-y. Mais je pense qu'après, voilà, comme on sortira pour aller s'amuser, donc je vais te remettre là-bas. Ok, il n'y a pas de souci, oui, ça va. Tu adores ça. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu fous sur ce bureau là-même? Je suis en train de faire un dossier là. Je vais rapidement et puis on y va. Bon, on y va. Alors. Madame X, tu finiras. Pas mes dix ton nom. Une blague, un pari fou. Je vais entrer dans ton moule. Sois-en sûr. Tu délires ou quoi? Monsieur le rêveur. Ok, c'est vrai. La jambe, souvent, c'est ça. Peut-être qu'il est traumatisé, hein, Louvre. Terrible cette histoire avec Félix. C'est à se demander ce qu'elle me veut. C'est quand même pas difficile à comprendre que j'aime ma femme. Allô? Bonjour maman. Oui, ça va. Je suis rentrée à Abidjan depuis 2 jours déjà. Hein. Mais je t'appelle juste pour t'avertir que je ne pourrai pas rentrer à la maison maintenant, tu sais. Avec les préparatifs du défilé, là, je n'ai plus un bout de temps à moi. Non, mais ne te fâche pas. Ok, y a pas de problème. À très bientôt.
Bisous. Ah, voilà qui est fait. Pauvre Agan. Dégage. Je veux plus te voir. Pauvre femme. Amoroto, tu es parti. Il a osé m'humilier comme ça, l'imbécile. Tu as refusé de m'accorder seulement une nuit. Et maintenant, tu vas devoir payer cet affront. De gré ou de force, tu vas m'aimer. Wagan, on va se marier. Wagan. Je vais même l'appeler. Allô, chérie. Salut, mon amour. Comment tu vas? Je vais bien. Et chez toi? Ça va, ça va. Encore des soucis avec nos financiers. À part ça, ben, ça va. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils attendent pour se décider? Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à l'homme le plus merveilleux de la planète. Ah, ben, c'est sûr que si je t'avais comme directrice commerciale, ces financements, on l'aurait eu à la minute. Hein. En tout cas, tu as bon soutien et surtout beaucoup, beaucoup de courage. Merci. Merci, c'est gentil de me soutenir. Tu me manques beaucoup, tu sais. Chérie, dépêche-toi de rentrer, hein, sinon c'est moi qui te rejoins à Ouaga. D'accord, je me dépêche de rentrer. À bientôt, mon amour. Je t'envoie, chérie. Tu me reviens vite, hein. Prends soin de toi, mon amour. Ouais. Bisous, moi. C'est à se demander si ça scie la conscience des coups fourrés de sa copine. Une chose est sûre, de retour à Abidjan, je compte bien prendre mes responsabilités. Ça a assez duré. Elle fait quoi et puis son portable sonne pendant des heures comme ça? Qu'est-ce qu'elle me veut encore, c'est... Allô? Ah, Félix, bonjour. Mais ça fait 5 minutes que ton portable sonne. Désolée, je n'étais pas à côté de mon téléphone. C'est pour ça que ça a mis du temps. Ah, d'accord. Oui, je t'écoute. Je voulais te voir. Tu es à la maison? Je passe? Non, non, je ne suis pas à la maison. Retrouve-moi plutôt au Ventoux Palace, là. Ok. À tout à l'heure. Qu'est-ce que ma petite sœur fait dans un hôtel à 7 heures de la journée? Enfin, je ferais mieux de partir que de rester là. Entrez. Bienvenue. Qu'est-ce que tu fais ici? On t'a chassé de la maison ou quoi? Écoute, arrête de dire des sottises. Hein? Et dis-moi plutôt pourquoi tu es là. Je suis là pour le loyer. Non mais Maluna, c'est pas pour le loyer que tu es venue jusqu'ici. De nous deux, qui est la plus grande? Mais tu me surprends. Écoute, ne venez pas me fatiguer ici. Franchement, j'ai d'autres problèmes beaucoup plus urgents que ça à régler. D'accord? Mais Félie, il n'y a pas de mec qui tient. Tu crois que quand on a connu quelques petits moments noirs dans la vie, là, c'est la fin du monde ou quoi? Tu ne peux pas te débrouiller un peu? Tu ne fais rien de tes 10 doigts. Tu m'énerves à la fin. Ne me parle pas sur ce ton. Ne me parle pas sur ce ton, s'il te plaît. Écoute, tiens. Et pour les prochains mois, ne comptez pas sur moi. D'accord? Débrouillez-vous. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu
Tu connais ma situation, Félie. Toutes mes petites soeurs-là me parlent mal. Elles ont raison. Mais Dieu est grand. Chaque jour qui passe aussi, je ne fais que m'enfoncer. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Ah. Si ça devient fédé. Il faut que je me réveille. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Les résultats de l'Institut de Gaouna sont là. Ah, ok, c'est bon. Merci. Hassan, il t'appelle. Oui, venez s'il vous plaît. Observez bien ces résultats. Ils confirment nos hypothèses. Hein? Mes chefs, bientôt nous n'aurons plus d'échantillons du Miyagi. Il ne nous reste qu'un flacon de 25 centilitres. Non, mais c'est dommage. Mais Adi allait booster le monde pharmaceutique, sauver des vies et redonner la joie de vivre des milliers de familles. Qu'allons-nous faire maintenant? Bon, ok. Allez vaquer à vos occupations. Espérons que le PDG revienne avec des bonnes nouvelles, frère. Hassan, revenez s'il vous plaît. N'oublie pas de faire l'interprétation des derniers résultats, ok? Et il faut que le DG ait ça dans les vrais délais. Bien reçu, chef. Merci. Intéressant. Effectivement, le Miyagi se révèle très efficace pour lutter contre les maladies liées aux dégénérescences à la date tissu. Oh, oh. C'est impensable. Vraiment. Tous ceux qui sont atteints de la maladie du Parkinson seront soulagés grâce au Miyagi. Et vous voyez, cela va au-delà de nos prévisions. Et si on s'en tient au tableau du bas, on voit bien que même l'Alzheimer et beaucoup d'autres maladies cardiovasculaires seront éradiquées grâce au Miyagi. Ce salaud de Djadja, s'il n'avait pas subtilisé la formule, nous serons fin prêts. Ce gars, c'est vraiment le diable en personne.